uniforme romantique pour des femmes qui ont plus en plus de pouvoir. Et donc, ils n'ont plus besoin de s'habiller avec des codes masculins, mais ils peuvent mélanger. Et ils peuvent aussi montrer leur côté féminin, romantique. On s'est inspiré par le mouchoir brodé avec les initiales que la femme donnait aux hommes quand ils partaient. Mais aujourd'hui, on l'a utilisé en mélangeant avec des habits pour une femme qui n'est pas à la maison, mais qui est vraiment dans la vie, qui marche dans la rue. Il y a eu une réappropriation de Fendi logo, le mélange de Fendi et Fila, inventé par Ray Riley. Et donc, on s'est réapproprié de ça aussi. J'adore l'idée qu'ils remettent au goût du jour le symbole classique de Fendi et je pense qu'ils l'ont bien réinventé. C'est un grand moment pour la marque avec le nouveau PDG et la marque semble jeune, elle semble revigorée avec les mêmes formes et les silhouettes qui sont classiques et emblématiques de la maison Fendi.